Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le 18 juin dernier, Sonia Roland célébrait la fin de la première partie de tournage de la troisième saison de Tropique Criminel. À peine le te. Dur la vie d'actrice. Entre les épuisants tournages, les tapis rouges, les fans qui vous adulent et la reconnaissance de ses pairs, il y a de quoi rapidement perdre la tête et fuir les projecteurs. Mais certaines personnalités s'y habituent mieux que d'autres et parviennent à garder la tête sur les épaules en dépit de tout. Sonia Roland fait partie de ces rares élus. L'ancienne Miss France 2000 s'est en effet reconvertie en actrice. Elle a en effet tourné dans 8 longs métrages et notamment aux côtés de Woody Allen dans Minuit à Paris et de Bertrand Tavernier dans Quai d'Orsay. Pendant 2 saisons, elle s'est également illustrée par son interprétation de Léa Parker entre 2004 et 2006 avant d'incarner la redoutable commandante Mélissa Saint-Rose dans Tropique Criminel depuis 2019. Un rôle qu'elle incarne à la perfection et qui lui offre la possibilité de voyager fréquemment sur l'île de la Martinique. L'ex-compagne de Jalil Lesper profite donc des températures extrêmement tranquilles de l'île et en profite pour inviter sa petite famille et notamment ses filles Tess et Kaina. Bien qu'elles doivent malheureusement endurer les éternels tests PCR, elles semblent être parfaitement dans son univers, dans cette nature chatoyante et accueillante. En témoignent les nombreuses photographies qu'elle publie sur son compte Instagram. Pour le plus grand bonheur des internautes, ce samedi 3 juillet, elle a de nouveau fait bisquer ses nombreux et nombreuses fans en se dévoilant en pleine pose sur une plage abandonnée. Vêtue d'un super bikini blanc. De quoi enflammer l'espace des commentaires, toujours aussi superbe dans un bel endroit. Le blanc vous va à merveille, tu es prête pour Koh-Lanta. Super bises amitié de Marrakech. En voilà un challenge à la hauteur. Pour découvrir les clichés sexy de Sonia Roland, c'est ici.